L'Islande, la terre de glace, ce pays qui fait rêver à juste titre. Difficile de trouver ailleurs sur la planète telle concentration de paysages grandioses et spectaculaires. Un savant mélange de feu et de glace. Voici le récit d'une aventure de quatre grands amis dans un trek itinérant au sud de l'Islande. Thomas, Jordan, Olivier et moi sommes passionnés de trek. On rêvait de l'Islande depuis longtemps. Une aventure qui débuta dès l'aéroport où, muni de notre rouleau de cellophane de 50 mètres, on a commencé par vouloir protéger nos sacs. Nous n'étions pas peu fiers de cette grande idée. Seulement, 5 minutes plus tard, la compagnie aérienne n'était pas du même avis. Résultat, nous avons dû tout arracher, car soi-disant ce n'était pas toléré en soute. Nous voilà donc partis tous les quatre pour un voyage au beau milieu des champs de lave et des volcans. Un voyage que nous préparions depuis plusieurs mois. On avait tellement hâte. Les gars m'avaient prévenu que ça n'allait pas être de tout repos. J'allais vite comprendre là où ils voulaient en venir. Deux heures de retard, nous voilà arrivés à Keflavik. Il devait être quelque chose comme 2h du matin et nous n'avions rien réservé pour cette première nuit. On a planté la tente, pluie, mais espérons demain il y a du beau temps, on chill un petit peu le matin, machin tout oublié. Si on ne voulait pas manger tout cru ou se nourrir uniquement des barres énergétiques immangeables d'Olivier, il nous fallait absolument du gaz. Et on lui a fait confiance les yeux fermés. C'est vraiment ça qu'il nous faut ? Ouais, je pense que c'est bon. Bon, loupé. S'en est suivi une magnifique nuit dans le terminal routier. On a tout de suite vu qui était équipé et qui l'était moins, avec déjà nos premiers fous rires. Certains ont réussi à dormir, d'autres beaucoup moins, comme moi. Premier matin et premier petit déjeuner de fortune sur l'Islande. Le plan de la journée était de rallier de petites îles situées au sud du pays, appelées les îles Vestmann. Nous avons donc pris le bus pendant quelques heures afin d'atteindre le point de départ d'un petit ferry, l'occasion déjà de pouvoir admirer des paysages lunaires. Les îles Vestmann ne sont accessibles que par bateau ou par avion pour les privilégiés. La plupart sont inhabitées, hormis la plus grande où nous nous rendions, nommée Hemahe, avec environ 4000 habitants, qui vivent principalement de la pêche. Ce sont des îles très accidentées, avec de grandes falaises très impressionnantes. Ça a l'air compliqué de marcher par là, les gars. Ouais. Ah non, il y a un dude en jaune fluo là. Exact. Moi là-haut je te mange. J'y vais pas, j'y suis. T'imagines, tu glisses un truc et t'es fini. Je suis étonné que j'ai pas pris un guano sur la gueule encore. Parce que là, ça doit balancer du guano. Une très grosse éruption volcanique a augmenté la superficie de l'île en 1973. L'ensemble de ses habitants avait dû être évacué. Et puis, autre fait majeur, ayant vu tous les films quand j'étais plus jeune, j'ai presque versé une larme en découvrant que Keiko, l'orque des films de Sauvé Willy, avait été capturé ici. Le spot du camping était juste dingue, au pied d'une immense falaise. Après que Joe et Olive aient un peu galéré pour monter leur tente sous nos sourires moqueurs, nous n'avions plus qu'à partir faire le tour de l'île. C'est pas ça normalement, tu vois. Ouais, c'est un bon sens. Thank you.
fin de journée, après en avoir pris plein les yeux et plein les jambes, que Joe se soit fait un nouveau copain, nous nous sommes rendus à l'extrémité nord de l'île dans l'espoir de pouvoir apercevoir des puffins, en français des macarons. Par chance, nous sommes tombés sur un petit groupe d'Islandais et d'Islandaises qui avaient secouru l'un d'eux il y a plusieurs jours et qui venaient lui rendre sa liberté. Quoi de mieux pour terminer nos 25 premiers kilomètres en Islande? Il ne nous restait plus qu'à expérimenter notre première nuit en tente et partir le lendemain en direction de notre deuxième étape. Le lendemain, il nous fallait rejoindre la route principale en stop. Le temps a l'air bien là sur la droite. Avec encore un peu de chance, la dernière voiture du ferry a accepté de nous emmener, l'occasion de rencontrer un policier retraité ayant passé toute sa vie sur l'île. Sur ses conseils, nous nous sommes rendus jusqu'à l'incroyable cascade de Seyjalandsfoss. Olivier adore le stop, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Mais nous n'avions pas d'autre choix pour nous rendre à Skogar. De toute façon, s'ils font demi-tour, on s'arrête, hein, je m'arrête aussi. Il y a un camion Ben. Ouais. Ah, lui, il nous double, donc là, c'est déjà réglé. Oh là, tout ce qu'il y a. Là, il y a plein de bagnoles. Hey, hello to the camera. Hello. Oh, après une bonne heure de galère, nous sommes tombés sur deux filles très sympathiques qui se rendaient justement là-bas. A priori, Olive et Joe étaient moins bien tombés que nous. En arrivant, nous avons pu découvrir une autre cascade emblématique nommée Skogafoss. Avec un peu plus de 60 mètres de haut et 25 de large, c'est l'une des plus célèbres du pays. Selon l'histoire, un coffre se trouverait caché derrière celle-ci, déposé par les Vikings. Bon, nous ne sommes pas allés vérifier. C'était surtout ici que débutait le Loggavegur Trek. Celui-ci se compose normalement de 6 étapes de 15 km environ. Mais pour les machines que sont Olivier et Thomas, en 3 jours c'était réglé. C'était peut-être sans compter qu'à la différence de la veille, nous avions 25 kg sur le dos. Après plusieurs heures d'ascension, sous le soleil et la pluie, nous sommes arrivés au petit refuge de secours de Balvinskali, dans un épais brouillard et un froid glacial. Le short d'Olivier n'était sans doute pas la meilleure idée. Oh.
Après s'être réchauffé et avoir évité une bonne averse de grêle, il était déjà temps de continuer cette première étape direction Torsmork. Malheureusement, il n'y a que très peu d'images de notre descente. J'étais vraiment dans le dur. Il a plu des cordes tout le long, je n'avançais plus du tout. J'avais juste envie de les traiter de tous les noms. Le coup de grâce fut lorsque les deux Islandaises rencontrées le matin me sont passées devant. Le pire, c'est que je n'ai pas pu profiter une seule seconde de cette traversée de volcan. Fort heureusement, au camping de Torsmork, un festin nous attendait. On a pu manger les restes de tout le monde, chili con carne, soupe, saumon et j'en passe. De quoi oublier les douleurs de la journée. Ça va, Droni? Ok, au bout de ses mains. Alors, Droni, t'es pas sur ton 31, je trouve, Droni. Là, ça me fait pas mal. Ah, si, ça fait mal à tout le monde, je pense. Si, si, j'ai mal, moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Voilà, le petit repas sympa, quand même. C'est pour ta petite femme. Non, c'est un petit vieux. T'es pas sûr de t'entendre, hein? Nous nous étions tellement trempés la veille que nous n'avons pas pu résister à prendre des lits de dortoir au chaud. Après avoir encore profité de certains restes des autres marcheurs, nous devions quitter la vallée de Torsmork pour rejoindre Halfvatten en fin de journée. Cette seconde étape s'est finalement avérée beaucoup plus accessible que la première, hormis quelques traversées de rivière. Des volcans à perte de vue, avec cette couleur verte donnée par la mousse. On se croyait presque sur une autre planète. Non, on passera pas là. On passera pas. Là, genoux. Oh ! J'ai failli tomber. J'ai dit je peux s'en suivre. Ça va? Ouais. Mal au dos? Hein? C'est un peu dur dans les jambes. Mais quand je serre les hanches, j'ai l'impression que ça me coupe le sang dans les jambes. Après avoir marché le long du canyon de l'Emstrua durant les 15 premiers kilomètres de l'étape, nous avons fait halte à Emstrur où des tentes pouvaient nous couper du vent. Nous avons partagé un festin gastronomique à base de petits plats déshydratés et de gâteaux à la spiruline. J'annonce une promotion sur les forces vertes parce que j'ai un pot de sauce tomate qui a pété dans mon sac. Non. Si, il n'est pas pété, il s'est dévissé en fait. Donc il coule un peu surtout. La suite, du sable volcanique à n'en plus finir. Derrière ce désert de cendres volcaniques, on pouvait distinguer le glacier de Mýrdalsjökull, le quatrième plus grand de l'Islande, avec près de 600 km² de superficie. Par moments, le soleil illuminait Hadfell, la somptueuse montagne de l'enfer que nous contournions. Le vent se joignit rapidement à notre traversée. Là-bas, il fait beau, là-bas, je pense. C'est là pour toi? Je crois qu'il fait super beau, là-bas. Regarde. Ça semble bizarre. À
Alors que Joe devait avoir un avion à prendre ce jour-là puisqu'on ne l'a pas vu de l'après-midi, nous sommes arrivés à notre deuxième traversée de gué. Ah, ok. Une famille d'Islandais qui passait en 4x4 à ce moment-là nous a gentiment proposé de nous emmener sur l'autre berge en restant les pieds au sec. Oh. Putain, c'est beau quand même. Joe, il doit être dégoûté. Joe, il doit se dire putain, qu'ils font trail en voiture. Ils font trail en camtar, les gars. Après une dernière traversée humide, nous arrivions à Halfvatten, lieu de notre campement pour cette troisième nuit de trek. Le dîner et la nuit allaient être un peu agités. Je crois que je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Dans la tente. Il faut des cordes. Tout va bien. Tout va bien, je cherche un fond de sable de merde. J'en ai une deuxième à portée de main si tu veux. Après tu une, je l'ai en deux secondes. Je le fais. Donc, il va falloir dormir. Je suis fier de tout ça. Ah, en fait, il tombe de la grêle, Thomas. Ça fait de la glace. Comme ça. Opération survie des dents de sagesse. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Oh putain. Oh, il a neigé, mec. Quelle fut pas notre surprise de se réveiller sous un grand soleil et de voir tous ces volcans couverts de neige, surtout après une nuit aussi compliquée. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai jamais eu aussi froid toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais ici ? Parce que sur toute la nuit, je cumule 1h30 de soleil. Vous êtes bien organisé. Ah, vous avez les sacs dedans. Okay, on fait... Vous avez dormi ? Ouais, on a dormi. Mais beaucoup ? Ouais, honnêtement, pas trop mal. Il y a deux sons. Thomas déjà levé en train de faire la popote. Pardon. Excuse-moi. C'est bon. Grosse nuit de merde. Grosse montée aujourd'hui. Cette étape pour rejoindre Landmannalaugar allait être aussi difficile que magnifique. Avec un premier col qui nous amena les pieds dans la neige. Je pense qu'il n'existe aucun mot pour décrire la vue obtenue d'en haut. Par contre, elle se méritait, car c'était franchement raide. Une fois en haut, les paysages étaient somptueux, avec de nombreuses fumerolles et marmites bouillonnantes, montrant l'activité volcanique sous nos pieds. La terre changeait de couleur à chacun de nos pas. Il fait chaud là. C'était fantastique. On en oubliait complètement la fatigue. Une ambiance vraiment mystique, presque surréaliste. Défie les pattes. La couche de neige de plus en plus épaisse rendait la dernière ligne droite interminable. Le refuge semblait ne jamais se rapprocher. Par mauvaise météo, certaines personnes ont déjà perdu la vie en s'écartant du sentier banalisé. Après notre pause repas, il ne nous restait plus qu'à descendre vers le camping de Landmannalaugar en traversant de multiples coulées de lave. Elle doit être brûlante. Ah oui, c'est chaud là. Pas mécontent que cette étape se termine, nous avions vraiment hâte de découvrir les sources d'eau chaude que nous avait si bien vendues Olivier. C'était vraiment incroyable, même si, il faut le reconnaître, l'odeur est pas top. À peine arrivé, on ne pouvait passer à côté des trois bus constituant le Mountain Mall, the super-aide du camping,
qui, bien entendu, proposait des bières qui tombaient à point. Le camping de Landman à Logar se situe au pied d'une immense coulée de lave, d'où sort une eau brûlante. Celle-ci forme une petite rivière où l'eau doit avoisiner les 40 degrés. Et on ne s'est pas fait prier pour y rentrer. Après cette incroyable étape ensoleillée, voici ce que la nature nous a offert pour la nuit. T'es Mike Horn, tu vas partir avec un sac à 16 kilos. Mike Horn, il traîne un machin derrière lui. Ouais, mais parce qu'il fait 30 jours ou 40 jours. Il m'acquise. Pour cette cinquième étape, nous avions prévu une trace d'une vingtaine de kilomètres. Nous sommes donc allés randonner autour du camp pour continuer de découvrir cet endroit à part. Quel bonheur de pouvoir marcher sans notre sac. Un relief constellé de volcans et de cratères, de coulées de lave et de lacs. Un paysage complètement unique. Le cube, un grand moment de notre périple. En fin de journée, les Islandais nous ont initiés à ce jeu de quilles traditionnel scandinave. Après quelques bières, Thomas et Olivier se sont mis en tête de défier tout le campement. Le pire, c'est qu'ils ont battu tout le monde. Anglais, Italiens et même les Islandais. Ils étaient verts. Rien de mieux pour fêter ce titre que de retourner dans les sources d'eau chaude. Régulièrement, le personnel de la supérette organise ce qu'ils appellent un débarquement. Ils amènent un bateau en polystyrène rempli d'alcool et de nourriture pour tous ceux présents dans l'eau. Olivier avait même été désigné co-capitaine, mais on l'a un peu perdu ce soir-là. Il avait peut-être un peu trop fêté sa victoire. On la partage avec la bourriche. Moi je la boirais pas entière, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est pas pareil quoi. Le gars il est d'ici, il passe tous les trucs ici, il me dit non, sans mon co-capitaine, on va faire un truc. Je peux pas. L'Islande. 5 jours. 127 km et près de 4000 mètres de dénivelé. Deux nuits blanches, une bonne dizaine d'ampoules, une vingtaine de repas lyophilisés et une bonne indigestion au bar énergétique. Mais par contre, une nature authentique, une activité volcanique surprenante, des couleurs à peine imaginables et surtout une quantité de souvenirs impérissables. Au-delà de tout ça, c'est une aventure humaine hors norme que j'ai pu partager avec trois amis en or. On repart quand vous voulez et où vous voulez. Merci les gars. François.